Bonjour à tous, c'est Diablinthe, bienvenue dans ce nouvel épisode de Mythopia sur Switch. Nous sommes toujours à la recherche de nos coéquipiers de l'avatar du pire. Nos coéquipiers en premier. Donc on est arrivé à ce point-là que l'on va découvrir. Oui, ça donne bien, mais tant mieux. C'est que moi aussi ça me plaît. Je me demande comment vont les autres. Pendant ce temps-là... Ah ben on va peut-être se battre avec eux maintenant. Ça ne sert à rien de rester ici. Continuons. Ouh, il y a une grande chance quand même pour l'habit. Ça vaut le coup de tenter. Et on l'a. C'est pour Astérix. Rejouer, non. Ticket de sortie, attends, faut d'abord que je réorganise, on fera ça après. 6000. Bah Astérix, il est tout neuf là, il a eu une arme, un vêtement. Donnons à manger 4. Personne n'a l'air. Ah, Whis. Bon, 50%. S'occuper de l'équipe, on va déjà. Scooby-Doo a acheté un cadeau. Regarde ce que j'ai. Tiens, voilà. Scooby-Doo appartient à un cadeau pour Batman. C'est chouette. Qu'est-ce que c'est? Un canapé. Mettre dans la Batcave, impeccable. Niveau 3, bah ils sont tous, ouais. Mise en garde. Faut que je les laisse ensemble, du coup. Alors, il y en aura forcément un qui ne sera pas... Alors, Valérie, Astérix 11. Eh ben, vous allez aller à la bibliothèque. Si on allait lire à la bibliothèque, oui, allez. J'adore les sorties comme ça. Il est intéressant ton livre. Il est vraiment bien. Tu me lis un passage? Si tu veux. Autrefois, il y a bien longtemps, à une époque où le royaume du début n'existait pas encore, vivait dans les profondeurs de la forêt des égarés un elfe solitaire. Alors c'est que des personnages qui ont très peu de relations, ça va être compliqué. Et bah partons.
Non, non, c'est... Hop. Ah bah non, il est 18. 18, 18. Ouais, c'est bon, c'est comme ça. Non. Là. Obtenir 12 types différents de dagues pour les voleurs. Ah bah. Je reviens là. Ah non, oui, ok. Je regardais pas du bon côté. Ansel. Ah, on n'a pas à faire le bas. Gardez la pêche. T'en as pas marre? Vous, les chats, miaou, vous êtes si mignons. Je sais. Ça dépend ce que vous faites. Savourons chaque victoire. Oh, c'est quoi ça? Une méduse? Miaou. Nouvelle technique. Chapardage. Valérie a chapardé un nuage guimauve. Allez, Whis. Ouh, c'est quoi ses yeux? Y arriver. Oh bah c'est déjà. Parfait, continuons. Et encore un peu de nourriture. Le monde est à moi. Ouh. C'est quoi cette ambition? Ah, elles sont deux maintenant, deux méduses. Allez, Whis. Scooby-Doo dans son... Ah bah les deux sont occupés. 3, 4. Oh bah c'est impeccable ça. Quelle ambiance. On n'a pas de dégâts. Du double salut majestueux. Allez, va à l'abri. Allez, un au moins. Qui s'y frotte, s'y pique. Ah bah, il n'y a pas eu besoin de le sortir. Youpi, dans les dents. Continuons. Elle est encore loin, l'auberge? Pardon. Champi sauté. Eh ben, tout le monde aura à manger, je pense.
arrête de te plaindre. Allez, droite. Piou! Et l'auberge. Vous avez sauvé 1750 habitants, dont de l'esprit divin. Amélioration de la salière PV, 580 à 600. Amélioration de l'abri. Ah, un équipier à l'abri récupère maintenant plus rapidement. Oh oh, la gratitude des habitants que tu as sauvés renforce tes pouvoirs. Tu apportes de l'espoir à tout Mythopia. Continue à vaincre les monstres qui se dressent sur ton passage. Prochaine étape, 1800. Bon courage. Relations renforcées. Niveau 4. Sollicitude. Alors, jeu. Non. Alors, la dernière sortie. En route pour le pâturage, vous allez voir les moutons. Attends encore un peu. Je t'écoute. Tu as vu ces moutons? Ils sont trop mignons. À propos, tu sais que les cumulus sont faits avec de la laine de mouton? C'est vrai? Non. Bonne entente. Sollicitude. Console le partenaire qui vient d'être touché. Tamalou. Ça va être juste. Hein. Ouais, puis Batman, il veut rien. Bon bah, hop. Alors toi, on va aller dans l'autre sens pour une fois. Ah bah c'est bien. C'est pas mal. S'occuper de l'équipe, y'a pas besoin. Et ben on part. Et on reste comme on est. Astérix, tu restes là. Ah, on a un petit jeu. Allez. Attendez, ne bougez pas, j'arrive. Je vous présente la référence absolue en jeu et amusement, moi-même, votre maître des quiz préférés. Ne me dites pas que vous m'avez oublié, non. Ça vous dit de tenter le bon perso? Allez. Le temps de tout préparer et on démarre. Le bon perso. Je vais vous poser trois questions, c'est parti. Trouver le guide insouciant, j'en ai aucune idée. Bon bah j'ai perdu. Va falloir muscler votre jeu. Bah. Muscler la mémoire. Ansel. J'adore la coiffure de Valérie. L'unité est notre force.
C'est parti. Allez, 2 sur 3. Allez, ils en veulent. Allez. Allez, un au moins. Ah bah il prend une banane. Il reste plus qu'un petit. Ah oui quand même. S'il y a un autre combat, faut que je pense à donner... à faire le plein avant. Niveau gagné. Scooby-Doo a gagné un niveau. Grande nouvelle. Ça a pas l'air d'aller, Whis. Tiens, mange une banane. Merci. J'ai mis ma tenue préférée. Qui s'est capété? Ah, il y a deux chemins. Trésor sorti. Bon, on va d'abord aller au trésor. J'ai une pêche d'enfer. Tu sais, quand on ouvre un coffre au trésor, souvent, tu peux deviner le contenu rien qu'à l'odeur. C'est vrai? Surtout les bananes PV. Une odeur douce et enivrante. Oui, si sucré. Alors que l'or, ça pue. Oui, cette odeur de métal poussiéreux. Je me demande quelle odeur aura notre prochain coffre au trésor. Je me demande aussi. Bonsoir Camiria, comment vas-tu? Il y a un trou dans ma chaussure. Très bien, et toi? Bah très bien aussi, je te remercie. Ah bah j'ai dit qu'il fallait que je refasse le plein, j'ai pas fait. Je me méfie parce que Batman, il a... Ah, quoique, il est bien remonté quand même, mais il se prend des sacrés coups, il n'a pas beaucoup de défense. Je cherche. Tour de Whis. Bien secoué avant emploi. Tour de Scooby-Doo, dansons. Allez, tout est paré. Ouh, ça va attaquer fort là. Allez, plus qu'une. C'est bon. Est-ce qu'on va atteindre le trésor? Je vais avoir des courbatures demain. Mais par contre, on n'a pas beaucoup de nourriture, il me semble. Le voilà. Ah non, une auberge.
Continuons. Ah non. Mille, non. J'aimerais bien que Batman il demande à que deux de nourriture. Tout le monde a mangé la dernière fois. Je regarde les infos en direct. Les routes commencent à être barrées par des arbres. Aujourd'hui, j'ai dû m'arrêter en voiture. Je pouvais pas passer, j'ai dû déblayer des branches. Et bien, t'as plus qu'à rester chez toi. Hop, Scooby-Doo. Là. On repart comme ça. Essayer d'aller trouver le trésor quand même. Bah c'est ça, oui. Mes chats me manquent. T'as fait le plein de nourriture. Vous avez 3 tickets de jeu. C'est pas terrible. 1 km à pied. Toi-même tu sais. Tu as les yeux rivés sur moi, il y a quelque chose qui cloche. Tu as un insecte dans le cou. Quoi ? J'ai la patate. Ça fait longtemps. Allez, des coffres. Où il est gros celui-là ? Des pattes de héros. Valérie obtient l'objet. Allez, encore un avec de l'argent. Eh non, c'est l'auberge. Tant pis. Obtenir 12 types différents de pattes. L'arme des félins. Alors, jeu, est-ce que c'est intéressant? Oui, je le tente. J'aime bien cette configuration. Ah, dommage, un prêt. Valérie. Allez, c'est parti. Je suis désolé, Diablinthe, mais je suis trop fatigué. Je pense pas que tu puisses venir, car ça va être tard. Eh ben, pas de souci. C'est pas grave, repose-toi, c'est l'essentiel, c'est le plus important. Rejouer, non. Six mille. Et il me demande tout. Et j'ai pas de nourriture. S'occuper de l'équipe. Tu avais un insecte sur la figure la nuit dernière. On aurait dit qu'il t'observait. Oh, tu es sérieuse? Oui, oui, crois-moi. J'ai eu le temps de l'étudier. J'ai passé 9 heures à l'observer. Tu aurais dû aller. Bonne soirée à tous. Eh ben, bonne soirée, Nat. Repose-toi bien. Et à demain. Oui, à demain, faut que tu sois en forme pour nous aider. Louange. Couvre le partenaire de compliments. Je savais que tu pouvais le faire.
qu'on va pas changer de chambre et on va partir. On ne change pas d'équipe non plus. En avant. Allez, camarades. Bonne chance. Donc là, il faudra qu'on choisisse la sortie. Allez, Valérie. Un suc, une nourriture. Pour l'instant, c'est que des petites attaques qu'on a fait. Ah bah piège, oui. Bien fait. Il se reprotège encore. Il est pas prêt d'être attaqué, Astérix. Il met que des pièges. Allez, Valérie. Ah bah, un en moins. Vas-y, continue à attaquer Astérix, toi. Allez, plus qu'un petit. Allez, Valérie, tu le termines. C'est fait. Je cherche. L'équipe a gagné. Continuons. Je pense encore au repas d'hier soir. J'ai mal au ventre. On y est presque. Alors là, il faut que je choisisse sortie. Voilà. C'est bon. Mes chiens me manquent. Ça ne va pas recommencer. Oh, ils sont 4. Valérie, elle aime ça, piquer la nourriture. Hein. Patientez. Voilà, parce que Batman, il prend toujours cher. Donc s'il a pas le plein, il va mourir. Re-Valérie. Qu'est-ce qu'il va me faire? Masque de protection. Qu'est-ce qu'on mange? Ils sont 3 pris en plus. Ah, c'est bon. Allez, vas-y. Un en moins. Non, il vient de jouer. Hop. Comme ça. Vas-y, attaque. Il n'y a toujours pas un de mort. Ouh, il lui reste 2 PV.
C'était vraiment, vraiment juste. Hop. Ah, Astérix est reposé, c'est bon. Allez, maintenant faut les attaquer. Ah, un au moins. Ouf, bah heureusement qu'il était là, Astérix. Allez. Et paf. L'équipe a gagné. J'ai presque commencé à douter. Ah, niveau 19. Batman a gagné un niveau. Est-ce que tu gagnes quelque chose d'autre? Non. Moi aussi, je commence à douter. Nous sommes libres comme le vent. Ouais, deux en moins. Eux, ils sont normalement plus faciles. Ah bah vas-y, oui, si en plus si vous attaquez à deux. Voilà. On va peut-être rejoindre l'équipe. Auberge, on est à combien? 33? Eh bien, pour une fois, je vais couper l'épisode ici, avant l'auberge. On la fera dans le prochain épisode et on regroupera l'équipe, je pense, après. Donc, je m'arrête ici pour cette VOD. Merci d'avoir regardé cet épisode et je vous dis à bientôt pour la suite. Au revoir.